Okay. I won't let you murder it. I won't let you murder it. La personne au bord de la rue, si tu penses qu'elle t'entend. Non. Ça a bien été. Mon Ben a été très performant. J'ai confiance. C'est sûr qu'avec le stress, on peut jamais prévoir les choses. La dernière fois qu'ils viennent le faire, là, justement, ça rendrait beaucoup mieux. Il y a des choses que les musiciens font des fois trop pour rien. Ils pourraient juste garder ça simple, ce serait bien plus facile, mais ils aiment ça, c'est compliqué à la vie. Mais non, c'est ça, je pense que ça va quand même bien aller ce soir. Il y a le nombre de fois qu'ils l'ont refait puis qu'ils vont la faire encore 2-3 fois, je pense. Ça va peut-être correct. Allô? Il voulait checker des bacs avec toi, tu fuck off. Mais non, je suis capable de faire. Ça a été un gros matin. Ça. Je peux mourir dehors, je peux rester.
vraiment, pour tout l'ensemble, là, c'est Time is Running Out. Pour moi, le okay. band d'aujourd'hui. Toi, Yannick, c'était quoi? Pieces. Pour compter les cases, ça n'a pas été facile au niveau du rythme. Moi, c'est ça. Moi, ce que j'ai aimé dans la Pieces, c'est. Bon, on va faire ça, c'était clean cut présentation, c'était parfait, il était assis, il avait une disposition déjà. Il commence la tourne, parfait, quand ça rentre, pow, il se lève, l'énergie est là. Ben moi, j'ai beaucoup aimé la présence de Jérémy, de Gabriel, le bassiste de Time's Running Out. Là. Moi, c'est l'autre bassiste, Mathieu Gadois. Ouais, toi, c'est l'autre bassiste. T'es cool. Là, en haut, le premier carré, je suis égal de Time is Running Out et Pieces. Les deux sont égales. Okay. Moi, je suis égal. C'est les deux. Toi? Moi, Gabriel, parce que j'ai aimé sa constance, j'ai aimé son charisme aussi, sa scène qui dégageait, puis je trouve que c'est lui qui reflétait le plus d'assurance, puis il avait l'air à vraiment s'amuser. Bonsoir. Salut! J'étais un petit peu gêné de parler au micro. Non, sans blague, on a délibéré les juges, puis moi j'aime ça faire ça parce que on a souvent comme des points un peu différents, puis on finit par trouver quand même un consensus qui est, je pense, super fair ou équitable ce soir. Mais moi j'avais une mention spéciale à faire, il s'agit de Jérémy Côté. Voilà, pour la Rockstar, ben je pense que c'est facile dans le sens qu'on l'a vu dans sa constance, dans sa présence. Et non pas sur le pied sur le wedge. Alors, on parle de Gabriel Gaudreau. Parce que la définition d'un band, c'est un tout. On a décidé de choisir Pieces. Avez-vous des questions par rapport à pourquoi vous avez gagné? Ben oui. Pourquoi on a gagné? Je pense que ça a été comme au vlog que ça allait. Peut-être mieux. Soirée! Comment qu'on fait fermer ça, Yannick, avant qu'elle le feu? Les deux ouvrent la porte en avant, ouais.